Depuis bientôt 30 ans, Nathalie Couder et Christine Mingui travaillent dans leur atelier de Ploubaznalec. En France, elles sont les deux seules coloristes à reproduire des œuvres picturales au pochoir. Lorsqu'elles ont eu vent du projet de musée Sérusier à Châteauneuf-du-Fou, elles se sont empressées de proposer leur service à la mairie, qui leur a commandé deux reproductions, dont celle du tableau « Paysage vert ». Le début du travail, c'est le tracé des couleurs. Je suis en train de déterminer le jaune, là, en ce moment. Donc, j'essaye de le repérer partout, je le vois sur mon cliché. Pour cette toile de 1906, l'opération va être réalisée 20 fois, car l'œil averti des coloristes ont repéré 20 nuances de jaune, verts et bleus. Je trouve un peu vert. Ouais. Ouais, il fait sale. T'as qu'à mettre un peu d'outre-mer, quelque chose comme ça. Une fois les teintes déterminées, c'est au pompon qu'elles vont appliquer la couleur. On commence comme ça. La main doit rester, quand on brosse, doit rester très régulière. Donc de la première feuille à la centième, il faut garder ce geste souple et agréable. Les 100 exemplaires du paysage vert sont réalisés un à un à la main. Des œuvres numérotées, véritables pièces de collection, bientôt en vente à Châteauneuf-du-Fou.